Prêt pour, je fais le décompte. 3, 2, 1. Allez, un tonnerre d'applaudissements avec Julie Bressin dans ce peloton. Allez, Manu Léard, avec Julien Le Guel. Voilà, les garçons. Voilà, Damien Poisson, ils sont heureux. Hervé Prudhomme notamment. Allez, Hervé, c'est parti. Avec tous les champions. Maxime Oliveux qui a renoué avec la victoire. Florian Berthelot. C'est tout simplement le vainqueur de Courmayeur. Le vainqueur du championnat des Côtes d'Armor cette année, c'était le Julie de l'Ascension. Thank you.
Allez Alan, c'est bien. Ça pète. Mickaël est là. Ouais, Mickaël. Ouais, c'est bien, Mickaël. Coupe de trajectoire. Des relais et tout le monde ne peut pas donner des relais, c'est dur. Ah, ça casse, c'est vrai. Alan, mais qu'est-ce que tu fous, toi? Il est fou, lui. Eh ben, il se fait plaisir. Ouais, il se fait plaisir. La semaine prochaine, il fera pas. Allez, Grèce. Mimi. Il a dit à Alan quand même qu'il a vu pas mal de trafic. Alors, chacha. C'est bien, Alan, c'est bien. Alors, il est bien, alors. C'est ça le peloton que j'ai fait. Que ouais, tu parles.
Le peloton qui est regroupé. Voilà, peloton regroupé actuellement. Un très beau peloton. Sous l'impulsion toujours des coureurs. Du club de Lumiac à 38. Avec le CCC Trésor, le CCC Lumiac qui prend le bout de son nez. Le CCC Moncontour également avec la présence du coureur. Avec l'équipe de l'équipe 6 tours de l'arrivée. Avec Ewen Fernandez et Xavier Tréhin qui vient. Oh, superbe sprint. Ewen Fernandez, Xavier Tréhin, Bastien Callier, Belbois, Julien Prigent avec son beau maillot de champion de Bretagne va ici bien sûr de relancer la manœuvre. Écart 31 secondes avec Florian Berthelot, Jean-Benoît Vettel, Emmanuel Léard, avec Corentin Ménoff, David Dalion personne, Adrien Colombel, et vous restez toujours au sein de ce peloton. Il vous reste 6 passages. 6 tours de l'arrivée pour le peloton, la semaine niveau, 6 tours pour le peloton qui passe actuellement de l'égalité de 31 secondes pour le groupe de tête. Voilà pour dans un instant accueillir avec Ewen Fernandez les 5 derniers tours. Voilà les garçons de grandir notre petit, on va applaudir. On va les appeler le groupe des 6. On essaye de ne pas faire de vagues du côté bien sûr des concurrents avec sortie à l'instant des coureurs de la Célanée de 56. Voilà, on va les encourager à 5 tours de l'arrivée. Allez Pascal, allez Pascal. Même chose, 31 secondes. Même écart entre le groupe des 6 et le peloton. 31 secondes pour le peloton. Ewen Fernandez, Xavier Tréhin, Maxime Oliveux et Bastien Caillet. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va leur réserver un tonnerre d'applaudissements pour la tête de course. 4 tours de l'arrivée. Prochain tour, on remet 30 euros. Prochain tour, 30 euros. Dernier écart, 31 secondes, et c'est vrai que l'entente est parfaite. Chacun passe son bout de relais, alors que derrière, c'est un petit peu la débandade. C'est la débandade derrière, personne veut véritablement lancer les hostilités et attaque à l'instant de Christophe Vercoq, le vainqueur de l'épreuve des Forges, vainqueur du Grand Prix de Zoppo, la Ploufagan, le double vainqueur du Berger. Prochain tour à partir du coureur lunéasien. On va remettre également avec David Brunel, avec Melvin Rochou, avec Corentin Legoff, autant pour moi. Prochain tour, il y a prime. Écart 33 secondes. Prochain tour, prime en trois parts. Florian Berthelot, le champion des Côtes d'Armor, avec Julien Prudent, Pascal Massé, lauréat cette année de l'épreuve d'Hirondouère. Et on va accueillir également Julie Presset. Elle est au sein de ce peloton. Julie Presset, 4 tours de l'arrivée. 4 tours, Pascal Lameau, l'ancien vainqueur de l'épreuve. C'est un rouge. Et Florian Berthelot, Roland Lebourg, 40 secondes, messieurs, avec le
Lyon, Anthony Fraisse, le coureur briochin ancien lauréat de l'essor breton et du Grand Prix de la Pentecôte. À mon contour, c'est Melboivin, me semble-t-il. Voilà, on reste avec la formation de Michel Bouédard. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, allez, c'est à vous, dernier tour. Melboivin et Xavier Tréhard, ils sont en train, bien sûr, d'effectuer un très, très gros travail. Le 2-12, c'est Melboivin. Et le 102, avec Xavier Tréhard de l'Union Cyclisme, le prix est bon. Et derrière, ça revient. Derrière, ça revient. C'est regroupement général. À la mort de la dernière boucle. Ah, ils ont senti le danger, ces deux garçons. Melboivin et le sociétaire de l'UCLH, à savoir Xavier Tréhard. Mais derrière, l'UCLH qui contrôle la situation. Ah, c'est la course d'équipe, alors que c'est le dernier tour. Dernier tour avec attaque du régional. Adrien Colombel. Prochain tour, c'est l'arrivée. Prochain tour, c'est l'arrivée. Avec sortie à l'instant du deuxième de l'épreuve des quatre routes hippiques, Adrien Colombel, prochain tour, arrivé. Xavier Tréhard, c'est le maillot bleu, Melboivin dans sa roue, le junior face à l'expérience, c'est l'arrivée, on garde sa ligne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, allez, un tonnerre d'applaudissements, d'applaudissements très fort, c'est l'arrivée, Melboivin avec Xavier Tréhard, Xavier Tréhard vainqueur. Deuxième place, Melboivin. Très très beau sprint. Et c'est l'arrivée pour la troisième place. Arrivée pour le peloton. Arrivée pour le peloton. Avec Samuel Nemo, le vainqueur de Saint-Anne-d'Auray, qui va prendre une excellente troisième place. On continue d'applaudir, merci. Très très belle victoire de Xavier Tréhard. Deuxième place, Melboivin. Le sprint du peloton remporté par Samuel Nemo. Devant la cinquième place, il sera convié bien sûr de rejoindre.